Non, c'est l'alimentaire là. Non, c'est quoi là? Attends, je peux avoir mis mon truc là. Là où il n'y a personne. Deux photos rapportées d'une simple balade en forêt, pas spécialement mémorables, recèlent plus de mystères et posent plus de questions que des milliers d'autres réunis. Et ces deux seuls clichés en gardent la trace. La photographie 1949, avec sa silhouette étrange camouflée dans la végétation, L'environnement change beaucoup avec les saisons, mais nous retrouvons facilement le châtaignier, plus gros que dans nos souvenirs, un an et trois mois plus tard, nous voici sur les lieux de la première prise de vue.
Mais de quoi s'agit-il? Un loup? Un chien? Un renard? Un sanglier? Un singe? Tout ceci, bien sûr, c'était avant de réaliser les dimensions de la chose immortalisée sur ce cliché. D'abord laissé de côté au profit du cliché 1949, le cliché 1950, apparemment plus innocent, à première vue, nécessite à présent que l'on s'y intéresse de plus près. On y a découvert la présence d'au moins un chevreuil, ainsi que la pareidolie particulièrement frappante d'un visage masculin, moustachu, en partie dissimulé, le regard tourné vers nous. Cependant, lors de la réalisation de ce film, davantage de détails sont apparus. Chasseur embusqué avec son chien. Ça chasse pas mal là. Non, ça arrive, j'ai vu il y a une semaine, je crois, ouais. Ah ouais, donc c'est pas... Ils étaient tout en bas, et j'ai fini de chasser, mais j'ai eu croisé, ouais. Parce qu'ils chassent pas comment. Nous voici sur les lieux de la seconde prise de vue. Le sol est entièrement recouvert de ronces, quelle que soit la saison. Mm-hmm.